Oh, vous me reconnaissez? Jacou! Eh oui, c'est moi! Je vous invite à un voyage exceptionnel. Un voyage au cœur de nos racines, bientôt au cœur des Yvelines. Regardez les enfants! Rustic Park! Découvrir très prochainement autoroute A13, sortie Flin Aubergenville. Papa! Allez, viens! Ça va? Pour le maire, pour le préfet, les choses sont si simples. De l'argent, et tout s'arrangera. L'argent, mais l'argent, on dirait qu'ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Et pour eux, on dirait que pour eux, les personnes, ça compte pas. Ça vaut combien, une famille de Jumeauville? J'aimerais bien qu'on me le dise, à moi. Bon, je vais pas faire mon ancien combattant, vous le savez tous ici, j'étais au Larzac et là-bas, j'ai vu ce qu'on pouvait faire en étant unis. Ils veulent nous faire dégager d'ici, mais ici, ce que nous défendons et ce que vous défendez avec nous, c'est la vie, la dignité et la paix. Il prendra soin de ton père, hein. C'était génial, papa. C'était super. Moi, j'étais là, j'écoutais. Les gens, ils étaient concentrés. T'as toutes les informations. En plus, il y avait de l'émotion. Bon, il y avait pas tout non plus, hein, je veux pas te mentir, mais les trois quarts des agriculteurs à la mobile, ils ont vendu. Alors, qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est vrai. Je dis pas que j'ai envie de vendre, papa, mais à un moment donné, il faut se faire une raison. On va pas être les deux seuls à s'occuper de la production de patates de... Donne, je vais t'aider.
Ah, ça va, tu vas pas faire ton mauvais caractère. Non, oh, hein. Oui. Donne. Tu comprends ce que je veux te dire? Il y a pas 35 000 solutions, quoi. À part si on trouve, je sais pas, une sorte de fleur super rare, tu vois. Ou un hamster, comme en Alsace. Un quoi? Un hamster. Un hamster? Tu te souviens pas de cette histoire? Bah non. Ce paysan en Alsace. Pendant des mois, il a cherché son hamster, retourné tous ses champs pour le trouver, son hamster. Parce que figure-toi que si on trouve une espèce protégée sur ton terrain, eh ben on peut pas t'exproprier. Le gars, il retourne ses champs. Non mais arrête de faire ça, papa, je vais passer la bineuse demain ici, donc... Non, demain, tu passes rien du tout. Parce que demain, je vais te dire, on va frapper un grand coup. Bah alors, un très grand coup. Et tu peux me croire. Laisse. Et je tombe sur le mec effondré en larmes, en train de pleurer dans les chiottes. Alors je fais, ça va monsieur, vous voulez que j'appelle du secours et tout? Et le type, on se met à causer, tout ça. Bon, je lui paye un coup, bon, il était bien mûr hein, déjà, mais je lui paye un coup, bon. Et le gars me dit, figurez-vous, attends, que je suis champion. Attends, tiens-le là. Pardon. Je suis champion. Ah. Ben, faut dire, ils m'ont vraiment filé de la merde. Et j'étais champion mais olympique. Mais c'est le matériel municipal, ça. J'ai été champion olympique de 17, canoë là. Et kayak, deux places, le mec me dit. Et ils viennent de supprimer aux Jeux Olympiques. Là, c'est bon, là, je suis en. Toute une, vie, bon, de, là, en toute deux, une vie d'entraînement, le mec. Le mec, depuis qu'il a 14 ans, il fait du canoë kayak, deux places. Et t'as des connards au comité olympique qui ont décidé de virer de l'Olympisme, tu vois, le canoë-kayak de place, tu vois le bordel. Alors le mec bon, me dit... Hey, alors, ça va là, c'est bon. On a des résultats au point de vue du Club France, tu vois, que t'imagines le gars, la gueule qu'il faisait, parce que les Jeux Olympiques ont lieu en France, le gars il est champion olympique de canoë-kayak de place. Qu'est-ce qu'il fout là-bas là, t'as vu là? Ils ont niqué regarde, son épreuve. Regarde mec. Là-bas là. Qu'est-ce qu'ils foutent là les mecs? Ils se sont pas fait virer ceux-là? Et ils commencent à nous faire chier, ils nous refilent du matériel de merde. Il y a des paysans qui vont nous sauter dessus. Moi, les gars, ils ont des chiens. Moi, je sais pas comment ils vivent, ces mecs-là. Ils vivent tout seuls, ils ont pas vu une bonne femme depuis... Regarde le vieux, là. Il a pas l'air bien, là. Non, mais je ne veux pas parler avec ces mecs-là, moi. Bah, ils pissent pas vraiment dans le lac. Ils pissent dans leurs toilettes. Puis après, bah, l'eau des toilettes, il faut bien que ça aille quelque part. Donc, ça va dans le lac. Et donc, la pilule, l'hormone qui est dans la pilule, si tu veux, elle... Elle passe chez maman poisson et ça fait qu'elles font moins de... Ah, oh, qu'est-ce qu'il fout ce con-là, là? Ah, hey, qu'est-ce... Non, hop, putain. Non, hé, hey, non, lui, non, lui, Jeff, non, Jeff, non, va à la vas-y, bagnole, ce va à la voiture, je vais tout faire au matériel, Jeff, vas-y, dégage, ne vous battez pas. Thank you.
t'es là. Petit. Papa. T'es caché. Je peux savoir ce que tu fais. Chut. J'en ai vu un, je te dis. Je suis sûr que j'en ai vu un. De quoi tu parles, bordel? C'est un hamster. Un putain d'enfoiré de hamster. Il se cache là. Allez, viens nous aider. Allez, viens. Non, mais tu te rends compte, et si on le trouve? Si on le trouve, mais c'est fini, on est sauvés. Il n'y a pas de hamster ici, papa. Tais-toi, tout à l'heure. Mais ça va pas au cours. Laisse-moi en Alsace. Viens, petit, viens. Allez, viens nous aider. Arrête, s'il te plaît. Arrête, je suis fatigué. Laisse-moi, je te réveille. Mets-toi debout. Allez, rentre. Lève-toi. Viens te coucher, on travaille toi demain. Viens, petit. Allez. Petit, viens, arrête. Viens. Arrête, s'il te plaît. Arrête, papa. Là, tu commences à me gonfler. Ah, futilité, papa, hein? T'as vu dans quel état tu te mets? J'en peux plus, moi, je suis fatigué. Ça fait 60 ans que tu vis dans cette ferme, s'il y avait des hamsters, tu le saurais, ok? C'est une grange, papa! Ça craque de partout, c'est normal! Hein? Je cherche un truc, je sais même pas à quoi ça ressemble. Moi, ça me gonfle. C'est moi. Qu'est-ce qu'il... On est sauvés. Ça va aller. Je suis là. Non. Allez, c'est à nous, là? Oui? On peut y aller? D'accord. Je crois que Rustic Park est un projet qui va dans le sens d'une revalorisation de notre patrimoine et de notre histoire. Puisque, comme vous le savez, la France a des racines profondément rurales. La France de nos grands-parents et celle de nos arrière-grands-parents à tous était aussi une France de paysans. Et d'ailleurs, nos ancêtres les Gaulois étaient aussi des paysans. Et c'est cette France que nous aimons, que nous voulons célébrer. La France des champs et des villages. La France et des champs, mais qu'est-ce que t'en connais, toi? Mais arrête, toi, toi, tu me lâches. On va nous voler notre terre. Lâche-moi, toi. Ah, tout ce qu'on demande, c'est notre travail. Laissez-nous notre travail, bordel. Qui c'est à cultiver la terre entre nous? Ah, vous allez me le dire, toi? C'est rien. C'est un petit incident, rien du tout. On le connaît, on a l'habitude. C'est une France, je disais, extrêmement rurale. D'où nous voulons célébrer la France des champs, des villages et des clochers. La France éternelle, celle qui, à travers ce parc de loisirs russe. En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'acte déclarant d'utilité publique, soit l'arrêt de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation. Autrement dit, nous devons décider ensemble du montant des indemnités pour chaque parcelle de votre terrain.
Je sais que c'est difficile à entendre, mais tout n'est pas perdu pour vous. Je ne suis pas supposé vous en parler, mais Rustic Park recrute parmi les agriculteurs locaux pour renforcer l'aspect rural du parc. Et il propose même des postes aux personnes en situation de handicap. Ainsi, vous pourrez toujours continuer à travailler sur vos terres, en quelque sorte. Monsieur, comment dire, c'est pour nous, pour moi et mon père, une joie extraordinaire de vous avoir ici dans cette maison. Qui serait bien d'ailleurs plus. La nôtre. Et voilà, humblement, on vous invite autour de notre table pour partager ce dernier repas. Zigouillez tout le poulailler. Ouais. Profitez-en. Une hécatombe. Hé, hey, à votre projet, santé. À la vôtre. Bah, il est pas mauvais, hein. Quand même. Ouh. C'était bien, hein. Mmh. Ah bon, t'as trouvé? Bien. Eh ben ouais, à un moment donné, je me suis sorti un petit... Bref, bien. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Oui, c'est bien. Parce que t'es un peu le champion du discours. Hein. En parlant de ça, tiens. Tu m'as pas raconté la fin de l'histoire du bonhomme là dont tu m'as parlé. Dans le champ. Quel bonhomme? Le mec qui cherchait son hamster, là. Son hamster? Mais ouais. Ah, le type en Alsace? Bah ouais, ça va. On a passé toute la nuit dans le verger. Ouais. Bah... Non mais, attends, te marre pas comme ça. Non. J'imagine le mec qui... Bah oui, mais non, mais attends, moi j'ai... Qu'est-ce qu'il veut savoir? Enfin, il l'a trouvé son hamster ou il l'a pas trouvé? J'en sais rien, moi. Comment ça, t'en sais rien? Tu racontes des histoires et tu sais pas la fin? Mais j'en sais rien, moi, s'il a trouvé ou pas trouvé son hamster, moi, en Alsace. Non, mais tu te fous de moi? Je l'ai raconté simplement parce que l'important, c'est qu'il l'ait cherché, quoi, c'est tout. Tu comprends ça? Il a cherché le gars. Tu piges ça? Ouais, bah je suis pas bête. Non, mais... Qu'il a cherché. Ça c'est... Bah vous buvez pas, vous. Pas grand soif. Et pas bon votre vin? Pas bon? Hein? Pourquoi? Si, regarde. Bientôt ici. Ça veut rien dire, mais bon. C'est pas grave. Attends. Hein? Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, si t'avais à parler? Hein? Rien. Toi déjà, t'as une tête à claque, je te jure. Hein? C'est marrant, ils se ressemblent vachement. Hein. Ils doivent être cousins. C'est 100% authentique, mon cul, ouais. Rien à voir, ils ont tous la même tronche, le même béret à la con avec leur moustache. Hein, ouais? Couillon, là. Mais ça se voit, ça se voit quand ils te regardent, je sais ce qu'ils... Ils m'ont regardé! Ils te regardent. Oui, ivrogne, bah oui, monsieur, oui, bah oui, on boit, ouais, bah tu bois un peu plus de vin, t'aurais l'air moins con, tiens. Ah ouais, ivrogne, tu sais quoi? C'est un mot que ni les dictionnaires, ni les bonhommes en carton, ni les gens du gratin... ne comprendront jamais. Parfaitement. Ouais, c'est un mot de misère qui ressemble à de l'or, peut-être, un à 5 heures du matin. Un mot de misère qui ressemble à de l'or à 5 heures du matin. Ivrogne, eh ben, pourquoi pas? Hein? Je connais 100 fois pire, moi. Ceux qui boivent pas. Ceux qui mangent par hasard. Non, Jérôme.
qui sont moches en troupeau, là. Jérôme. Et qui n'ont rien à dire. Jérôme. Allez, papa. Jérôme. Viens voir avec moi. T'en auras plus tard. Jérôme. Lève-toi. Il est hors de question que tu fasses comme ça. Il est hors de question de ça. Putain, t'as bossé toute ta vie, c'est pas pour rien. Mais vas-y, chante. Notre terre servira à la vie. Nous sommes 103 paysans invités à foutre le camp. De vrai à dit, j'ai décidé. Je veux la terre pour mon armée. De la ZAC restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. De gré, de force, nous garderons l'Arzac. De gré, de force, nous garderons l'Arzac. Nous sommes 103 paysans, invités à foutre le camp. De Préadis, j'ai décidé. Je veux la terre pour mon armée, mais nous avons tous refusé. Pas question de se faire acheter. Pour nous, la terre n'a pas de prix. Pour nous, la terre est notre vie. Non, pas là! Non! Putain! Lève-toi, papa! Non, s'il te plaît! Fais pas ça! Laisse-moi maintenant, tu sais. Je te sens partir. Arrête de me gueuler dans mon oreille, putain. Ouais, mais. Bah, tu m'as gueulé toute ma vie dans mes oreilles. Et j'ai eu droit à 5 minutes, non? C'est vrai, les gars. C'est vrai, c'est comme ça que tu m'as élevé. Les chiens, ils font pas des chats. On les a suivis. Je suis pas encore parti. Allez, allez, putain. Putain de bordel. Vas-y. Putain, putain. Le Larzac restera. Notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons. Jamais nous ne partirons. De gré, de force, nous garderons Larzac. De gré, de force, nous garderons l'Arzac. Nous sommes 103 paysans, invités à foutre le camp. De Préadis, j'ai décidé. Je veux la terre pour mon armée. Mais nous avons tous refusé. Pas question de se faire acheter. Pour nous, la terre n'a pas de prix. Pour nous, la terre est notre vie. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. De gré, de force, nous garderons l'Arzac. De gré, de force, nous garderons l'Arzac. Un rustique parc qu'on va garder, les cochons, les poules et les vaches à trait. Un rustique parc qu'on va jouer, la balançoire et le boudin aussi. Mais maintenant, il y a du bonheur. On est content, c'est le plus important.